On se retrouve pour la finale des Ligues des Champions Challenge. C'est la deuxième vidéo en réponse à ma dernière vidéo qui est sortie il y a une ou deux semaines. Ça dépend de ce que j'avais envie de faire. On se retrouve aujourd'hui avec Dany, Thomas. Ça fait hyper longtemps, Thomas, t'es pas venu. Ouais. Ça fait très longtemps. Et Justine, vous l'aurez compris, aujourd'hui, finale spéciale Atlético PSG en équipe en 2 vs 2. Les gars, vous êtes très fiers de supporter le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Oui, très. Nous, par contre, on est vraiment fiers de supporter l'Atlético Madrid. On va essayer de leur faire honneur. Rien de plus compliqué pour le déroulement de cette vidéo. Ça va être deux défis. L'équipe qui remporte le plus de défis gagne la vidéo. Vous allez me dire, si 1-1-1, comment on fait? On fait une séance de tir au but. Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite à tous une bonne finale. Bonne chance, les Parisiens du jour. Oui, merci. Allez, ma collègue, c'est parti. Oui. Allez. Premier défi, c'est parti, on va innover les amis. On va faire un truc que j'ai jamais fait, mais que j'ai vu sur la chaîne des Free Kickers. Merci pour l'inspiration. Ils appellent ça le 5 ballons challenge. On passe tous une fois chacun, même les gardiens vont tirer. Et ce qui est drôle, c'est vu que les gardiens, normalement, on est censé être moins bons avec nos pieds. Si on marque, ça fait 2 points. Donc c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, bonne chance. C'est parti, on y va. Allez, go. Atlético, en force en commentaire. Ok, on est parti pour Justine. 3, 2, 1, go! Penalty! Bien vu, elle est belle! Allez! T'enchaînes! Oh, le poteau! Pas de chance, face à face avec Thomas! Facile! On passe sur les relances! Contrôle! Hop! Bien joué, Thomas! La volée! Ah! Pas facile! Pas facile, pas facile. Bien vu. Deux points pour Justine. Ouais. Pas facile, pas de chance avec le poteau. Ouais, poteau. Thomas fait un bon arrêt sur une frappe pointée. Et après la volée, on sait qu'elle est difficile. Ah ben, je suis pas trop volé, donc ça se voit. D'ailleurs, t'as qu'un seul essai. Donc maintenant, on passe la main à Dany. On va voir s'ils font mieux. Deux déjà, c'est pas si. Ouais, faut qu'il s'assure. Pas plus de deux. 3, 2, 1. Oh non! Bien joué, Lily. Ouais. Quel passage il a fait, Dany? Putain, je suis deg, la barre en a encore une. Mec, t'as fait un passage incroyable. Très grosse prestation de Dany. Pénalty à contre-pied, coup franc bien enroulé, inarrêtable. Face à face, malchanceux. Et après, les deux frappes de loin, on sait qu'elles sont plus difficiles. Je suis fatigué, mais c'est à moi de passer. De partout, je rapporte le double de points à mon équipe. Faut que je sois décisif. Allez, 3, 2, 1, top. Voilà, là ça passe bien. Coup franc tout de suite. Oh, bel arrêt! Hop, j'avais failli oublier ce ballon! Oh, splendide! Splendide! Ah, moins splendide! Ok! Oui! Super passage! 3 buts! 6 points vu que je suis gardien. Je suis content. Ouh. Oh, dommage. Enfin, bien joué, mais. Ok, le coup franc tout de suite. Dommage, elle était belle. Ok, 2 buts. 2 buts et 6 morts qui recollent. Oh, dommage. Difficile. Ah non, je la mets trop. Ah non, je la mets trop. Eh bien, on arrive à l'issue de ce premier défi qui était éprouvant. Score final, 8 pour Atlético. Le PSG, vous avez combien de points?
pas besoin de s'étaler beaucoup plus, on passe au deuxième défi après une courte pause parce que c'était fatigant sous cette chaleur de plomb. Ouais, c'est... Ouh, un petit peu d'eau. Et ça fait un zéro pour Madrid. Mi-temps, comme à la mi-temps des Ligue des Champions, de la vraie Ligue des Champions, pardon, il y a une coupure publicitaire qui concerne le Vinted de Maëly. Parce que qu'est-ce qu'il y a sur ton Vinted, Maëly? Explique-nous. Alors sur mon Vinted, donc Maëly PFT, je sais pas où il sera écrit sur l'écran, vous pouvez retrouver des articles de Lévi qui apporte en vidéo et qui ne le compte pas remettre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Vinted, Maëly PFT et vous trouverez tout ça. Voilà, donc par exemple ce maillot, il y sera. Et ailleurs que sur Vinted, on peut trouver aussi mes gants, les gants de la marque RG, qui sont vraiment excellents. J'ai toute la nouvelle collection grâce à eux. Donc ça sera dans la description également. Allez voir là-bas si vous êtes gardien. Ne réfléchissez même pas, achetez vos gants chez eux. Rapport qualité-prix imbattable. Franchement, je le dis sans langue de bois. Tu pourras trouver mieux, mais il faudra que tu mettes 150 euros de plus. Franchement, c'est top. Moi, je suis très content de ces gants et très content que Maëly gère Vinted. Ça m'aide beaucoup. Bref, Maëly, on continue cette vidéo. Tu repasses derrière la caméra. Exact. Et puis, on continue. Allez. Second défi, c'est parti. On va refaire un défi très ancien de ma chaîne YouTube. Tout simplement, ça s'appelle des snapshots. C'est l'appellation que j'ai trouvée, l'appellation officielle. Simplement, un attaquant, il reçoit une passe qui est effectuée à la main dans son dos. Donc soit à sa droite, soit à sa gauche, soit au-dessus, soit en bas. N'importe. Et il doit marquer en une touche. Il y a 1-0 pour nous, Justine. On n'a pas de pression. On assure et on gagne cette Ligue des Champions de Challenge. Je suis d'accord. Allez, bon défi à tous. C'est parti. On les rattrape, la remontada. C'est mort. Aujourd'hui, c'est le PSG qui fait une remontada. C'est parti pour le PSG. Oh, dommage. Ok. Morata qui avance. Oh oui. Oh, bel arrêt, bien vu. On va les remplir, celle-là. Celle-ci, elle est bien. Yes, premier but. Elle est belle. Oh, oh bien joué Thomas. Bien joué Keylor Navas, bien vu. C'est ça qu'on veut dans le milieu du foot. Oui, yes. Et bon, yes. Ça s'échappe. Ça fait 3-0. J'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que j'ai vu une frappe plutôt facile à arrêter. J'étais pas concentré sur ma prise de balle, elle m'a filé entre les mains et ça fait 2 points en plus pour le PSG. C'est ça. Pas bon Lévi. À toi Juju. Allez, 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 faut qu'on sauve nos fesses là. Elle est belle. Voilà. Enfin, maigre consolation. Oh là là, le PSG est en forme, le PSG est en forme. Ouais. Oh. J'ai pas mis de force. J'ai juste bien enroulé en dessous de la barre. Oh, elle est belle. Oui, oh oui. Ça y est, 4-2. Bon joué, Lévi. Bel arrêt. Oui, à droite, fort. Oh, elle est belle. Oh, non, oh, non, elle, c'est proche. Elle était belle. Elle a dévié au dernier moment. Allez. Ah, on prend l'avance, on prend l'avance. Oui, ah, oh oui. Ah, oh, bon allez. Et ça fait 5-3. Ouais. 5-3. Il reste un tour. C'est très simple. Si Dani marque, on arrête là. Il ne passera à rien d'autre. On passera au dernier défi. Et si Justine met un pied gauche, parce qu'elle vient de mettre un pied gauche. On recolle, ça me paraît compliqué pour l'Atletico. Oui. Bien joué Lévi. Allez, une gauche Justine, et on recolle. Allez. Oh, oh, oh. Et ça fait peur. Ça aurait pu. C'était pas si ça aurait pu. Est-ce que j'ai un peu de suspense? Fin de ce second défi, victoire écrasante du PSG quand même là, due à une erreur en partie de moi-même. C'était ah ouais, mais terrible. J'ai pas fait le boulot non plus. Hein. C'était difficile, ouais. Ça fait un partout, on passe sur la séance de tir au but.
Faut pas faire d'erreur. Faut pas bégayer. Allez, mes petites adversaires, là. Allez, viens. Dernier et ultime défi. On est parti. Rien à ajouter, hein, les pénaltys. On connaît. Je tiens juste à préciser que l'année prochaine, s'il n'y a pas de souci avec le Covid, d'ailleurs faites attention à vous, la Ligue des Champions Challenge reprendra sur ma chaîne YouTube. Vraiment un truc hyper costaud avec deux poules, des demi-finales, une finale, des grosses équipes. Vraiment un truc costaud, sera la grosse série l'année prochaine. Ok. Donc j'espère qu'on pourra le faire avec d'autres équipes. Et puis en attendant, il faut qu'on détermine qui sera le gagnant de cette édition sur ma chaîne YouTube. Faut qu'on gagne. Allez, faut qu'on gagne. Deux pénalties par joueur, go. Oui. Bien placé. Ça passe. Et ça fait ça un passe. Pour l'Atlético. Keylor Navas vs Yann Oblak. Bien joué, Thomas. Début de série, comme le reste de la vidéo, hein, très serré. Oui. À Justine. Allez. Oh non. Aïe. Alors là, il y a de la pression là. Très difficile, on n'a déjà plus le droit à l'erreur. Je vais marquer. Bien joué. Ça passe. Allez, bon début de second tour. Yes, bien joué Thomas. Putain, c'est plus... Constat très simple, Justine. Oui. Si tu ne marques pas, on a perdu. Oui. Eh ben, je vais essayer de pas rater mes deux quand même, parce que ce serait un peu le... Mais non, ouais, bon, sera pas terrible. Allez. Wow, splendide. Va falloir que je marque là. Dernier penalty. J'ai une grosse pression. Yes. Mais il a beaucoup trop de force ce mec. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette Ligue des Champions de Challenge. Victoire méritée du PSG, même si l'Atlético Madrid méritait tout autant. Mais plus de réalisme, bravo les Parisiens. On verra dans la réalité si notre Paris Saint-Germain national va en finale et gagne. C'est possible en vrai, cette année je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent. Allez l'OM, sinon, et sinon on verra. Allez l'Atlético. C'était Dany, Thomas, Justine et Lévi. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt pour un retour de la Ligue des Champions de Challenge. On espère. Et bye bye, bye.